Bonjour, aujourd'hui je vous propose de vous guider dans une méditation de bienveillance. Nous sommes le mardi 31 mars et nous allons entamer la troisième semaine de confinement en France et ces pratiques de bienveillance peuvent être particulièrement aidantes en cette période. Pourquoi ? Parce qu'elles nous permettent de nous relier aux autres de manière très sensible. En effet, la bienveillance, c'est pas quelque chose d'intellectuel ou c'est pas un précepte moral, c'est plus une affaire de sensibilité, de se relier de manière, de retoucher une dimension de sensibilité de notre cœur. En évoquant une personne qu'on aime ou qui nous aime profondément et qui peut-être en ce moment est loin de nous, un parent, un ami, un enfant, eh bien, en évoquant cette personne, on va aussitôt sentir que notre cœur est touché. Et c'est justement ce cœur touché, ce cœur sensible, qui va comme activer le lien qu'on a à cette personne. Donc, étonnamment, il y a quelque chose de l'éloignement ou de l'absence qui va rendre très présent l'amour qu'on porte à cette personne, l'amour qu'il y a entre cette personne et nous. Ainsi, l'absence révèle la présence de cet amour, révèle la présence de notre lien, la force de cette tendresse qui nous relie, qui nous unit. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer dans la pratique de bienveillance. Une présence de l'amour, l'amour est là, l'amour est révélé, l'amour est la tendresse, la douceur, le lien sont de nouveau là et on peut vraiment s'abandonner à ça, faire confiance à ce lien. On peut même se baigner dans la tendresse de ce lien, de notre cœur qui est touché, qui est ouvert à nouveau. Et c'est vrai que souvent, et peut-être même très souvent avant la période de confinement qu'on est en train de vivre, dans le tumulte de nos journées habituelles, on a tendance à oublier cette dimension de tendresse comme si ça comptait pas, comme si c'était une évidence et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire tout un plat, voilà. Et là, on peut vraiment profiter de cette période pour voir à quel point non seulement c'est réel, ça existe, c'est concret, c'est très concret, c'est une sensation très concrète, et à quel point c'est précieux, à quel point c'est vraiment le signe que nous sommes pleinement humain, pleinement vivant, pleinement tendre, pleinement ardent. Donc je pense que si on a ça en tête, ça peut vraiment être une aide très, très puissante en ce moment. Normalement, s'il n'y avait pas eu le confinement, dans quelques jours, nous aurions dû nous retrouver très nombreux pour le stage 3, le stage de bienveillance qu'organise l'École occidentale de méditation. Alors, j'ai trouvé que ce serait une bonne idée de pratiquer ensemble une méditation qui est donnée lors de ce stage 3 et qui nous a été transmise par Fabrice Midal. C'est une pratique de bienveillance qui vise à nous libérer d'une forme de découragement, justement, qui vise à nous aider à retrouver de l'allant, à nous réjouir de ce que nombre de personnes sont en train de faire de bon dans le monde en ce moment, ce que nombre de personnes sont en train d'accomplir pour un monde plus sain. Donc voilà ce que nous allons faire ensemble. Et pour commencer la session de méditation, je vais sonner un coup de gong. Tout d'abord, je vais vous inviter à prendre contact avec votre présence corporelle. C'est vraiment important de commencer chaque session de méditation en retrouvant rapport à notre corps, à notre présence corporelle. Par
Par exemple, vous pouvez prendre le temps de bien vous poser sur la chaise ou sur le coussin sur lequel vous êtes assis. Et vraiment, ça peut prendre quelques minutes de s'asseoir pour de bon. Vous pouvez peut-être sentir que vous êtes encore un peu dans votre tête ou un peu perché, un peu comme en suspens. Et là, vraiment, on va essayer ensemble de laisser notre attention descendre de la tête pour parcourir le corps, le cou, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds qui sont en contact avec le sol. On peut laisser tomber les épaules, sentir que le sol nous soutient, nous porte, et que nous pouvons être entièrement présents corporellement. Et peut-être pouvez-vous sentir que plus vous laissez votre corps se poser, plus vous êtes ouvert, disponible à ce qu'il y a autour de vous. Certains sons qui viennent à vous sans qu'il n'y ait rien à faire. La qualité de la lumière, des couleurs qui vous entourent. La température qu'il fait dans la pièce où vous vous trouvez. Voilà. Nous sommes tranquillement et pleinement présents de tout notre corps, de tout notre cœur, de tout notre être. Et à présent, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider par ma voix. Tout d'abord, je vais vous inviter à penser à quelqu'un que vous connaissez et qui fait quelque chose de bon pour son entourage en ce moment. Ça peut être une voisine qui fait les courses pour les autres, un ami qui s'est porté bénévole pour un soutien psychologique. Moi, par exemple, je pense à une bonne amie qui est enseignante de méditation et qui offre de son temps pour aider le personnel soignant qui a besoin de tant de soutien en ce moment. Pensez à une personne que vous connaissez et sentez combien vous pouvez être reconnaissant, reconnaissante pour ce qu'elle fait. Sentez comme votre cœur s'ouvre et se réjouit de cette bonté. Sentez comme vous pouvez même être fier de ce qu'accomplit cette personne que vous connaissez. Vous l'imaginez, vous la visualisez, vous la voyez en train de faire et vous sentez comme c'est bon, comme votre cœur est ouvert et touché par ces actes bons et justes et courageux. À présent, élargissez à d'autres personnes que vous connaissez aussi et qui font également quelque chose de bon et de juste en ce moment pour la situation. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui œuvrent en ce moment. Ça peut être un professeur qui fait tout pour
accompagner ses élèves, ne surtout pas les abandonner. Ça peut être un épicier qui va toutes les nuits au ravitaillement pour pouvoir nourrir son village. Un boulanger qui sait combien le pain est précieux en ce moment et qui boulange sans relâche. Ça peut être un musicien, une chanteuse qui offre de la musique par Internet en ce moment pour les mélomanes, pour les amoureux de la musique, sachant que ça va les réconforter. Trouvez pour vous les exemples de personnes autour de vous qui œuvrent. Et réjouissez-vous de leurs qualités, de leur courage, de leurs vertus. Sentez comme votre cœur est sensible, touché, comme s'il en émanait une nouvelle chaleur pleine de reconnaissance. La bonté et le courage de ces personnes activent dans votre cœur sa propre bonté, son propre courage. Vous êtes vraiment tout à fait réceptive à ces actions justes et bonnes. Vous êtes tout à fait reliée à ces actions justes et bonnes. En ce moment, vous êtes vraiment avec ces personnes que vous connaissez et qui œuvrent pour le bien de leur entourage. Et vous pouvez encore élargir à toutes les personnes que vous ne connaissez pas, mais dont vous savez, parce que vous l'avez entendu aux informations, parce qu'on vous en a parlé, vous savez qu'elles font énormément pour le monde en ce moment. Ces milliers et milliers et milliers d'infirmières, ces milliers de médecins, de docteurs, qui sont devenus nos héros du quotidien. Tous les bénévoles qui ont répondu présents, tous les médecins à la retraite qui reprennent du service pour aider autant qu'ils le peuvent, tous les pharmaciens qui accueillent, qui rassurent, qui accompagnent pour aider. Pensez à toutes ces personnes et voyez comme cela vous ouvre le cœur, comme cela vous touche, vous rend entièrement sensible et réjouissez-vous de leur engagement. Pensez à toutes les personnes qui nous permettent de nous nourrir en ce moment, les paysans, les agriculteurs, les maraîchers. Et réjouissez-vous de leur force et de leur courage. Et plus largement encore, pensez à toutes les personnes de par le monde qui œuvrent positivement. Tous ces êtres humains, tellement humains. Et sentez comme c'est plein, comme c'est intense, comme c'est bon tout ce courage, toutes ces qualités, tous ces engagements. Sentez comme cela résonne en vous et laissez
cette résonance irradiée autour de vous. Comme si vous ouvriez les vannes de votre cœur et que vous laissiez toute cette bonté, toute votre reconnaissance, toute votre tendresse rayonner autour de vous. Nous pouvons être fiers et nous réjouir de tous ces êtres humains tellement humains. À présent, tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux et reprendre contact avec votre présence corporelle, vos sensations corporelles, la densité de votre corps, le poids sur la chaise ou le coussin. Vous pouvez reprendre contact avec les couleurs, la lumière, les sons autour de vous. Voilà pour cette méditation de bienveillance. Si vous souhaitez faire des méditations de bienveillance chez vous, refaire celle-ci par exemple, il est vraiment conseillé de toujours prendre 5, 7, 10 minutes avant de pratique de pleine présence. Donc simplement vous poser, être là, et puis à la sortie de la méditation de bienveillance, de nouveau prendre vraiment le temps de rester les yeux ouverts, sans bouger, en contact avec votre environnement. C'est tout à fait bienvenu. Et puis, à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez me poser des questions sur cette pratique. Et il suffit pour ça de laisser les commentaires sur la page Facebook de l'école et j'y réponds tout de suite. À tout de suite et bonne pratique.